Voici au bout de deuxième jour. Vingt-quatre heures après la ponte. Les alevins au bout de quatrième jour. On distingue bien qu'ils sont bientôt en nage libre. Voilà, cinquième jour, les bébés scalaires nagent. Voilà. Sixième jour, les poissons nagent tout seuls et de plus en plus longtemps. Bien sûr, les parents veillent à leurs petits.
C'est des très bons parents. Il y a tellement de choses qui marchent pas bien en France. Pourquoi vous attaquer à ce qui marche bien? Voilà la carte maîtresse de Nathalie Kosciusko-Morizet, celle de la notoriété. Députée à 29 ans, ministre à 34. Les scalaires en 15 jours. Estampillé ministre 2.0 du gouvernement Fillon, elle compte aujourd'hui plus de 236 000 abonnés sur Twitter. Après une large victoire hier, dans une primaire mouvementée, elle entre dans son défi. Ce que vous gagnez, c'est très différent, ça a une valeur très différente de ce qui vous est octroyé. Et ce soir, les Parisiennes et les Parisiens, en me choisissant comme candidat pour l'alternance, en fait, ils m'ont donné beaucoup de liberté pour la suite de la campagne, pour le combat pour Paris que je veux mener avec eux. MKM, toujours élu de l'Essonne, devra toutefois convaincre qu'elle maîtrise les dossiers parisiens et circuler sur un scooter n'y suffira peut-être pas. Elle, bien moins connue, n'aura pas à forcer son côté parisien. Élue depuis 12 ans dans la capitale, la socialiste Anne Hidalgo s'est préparée longtemps dans le théâtre de Bertrand Delanoë. Ce matin, elle présentait son équipe de campagne et elle prévient son adversaire fraîchement désigné. Ceux qui voudraient nous faire croire qu'on arrive dans cette ville comme ça et que tout d'un coup cette ville se met à vos pieds, ça marche pas comme ça. Cette ville, elle a besoin qu'on travaille pour elle, qu'on lui apporte des preuves, qu'on soit là, qu'on soit engagé, qu'on lui soit autre chose. Le duel de l'âge s'annonce savoureux pendant les 9 mois qui viennent, alors que sont également déclarés à ce jour Marianne de Sardes pour le MoDem et Valérie Saint-Just pour le Front National. À l'étranger, les inondations continuent. En Europe centrale, le bilan fait alourdi au moins 10 morts, dont 7 en République tchèque. Le pays a décrété l'état d'urgence. Vous le voyez sur ces images à Prague, la capitale. La rivière de Velette a atteint un niveau record. Les routes, les voies ferrées, les métros sont fermés. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Du gaz de sarin a bien été utilisé en Syrie. La France en a la certitude. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, explique que le gaz toxique a servi à plusieurs reprises et de façon localisée.
Ils ont 3 semaines. C'est l'heure de repas.